La fête de Mouloud a été célébrée la nuit dernière aussi à Tombouctou, dans la ville de 333 à 100, et cela dans la plus grande joie et la tranquillité. Les fidèles, sous la baraka des imams et autres érudits, ont prié et fait des bénédictions afin que notre pays renoue entièrement et définitivement avec la paix. Dans la cité des 333-100, Mouloud est aussi l'occasion pour les Tomboxiens de la diaspora de retrouver les siens. Nous dit Yehia Tandina. C'est par cette lecture panagérique, autrement dit, les éloges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les traditionnels tours de la grande mosquée de Djingareber, que la communauté musulmane de Tombouctou a renoué avec la célébration du Mouloud. Cette fête anniversaire qui marque la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est d'une importance capitale, même pour les Tomboxiens de la diaspora venus nombreux. Ça fait des années, à peu près 9 ans que je pars à célébrer cette fête. Malgré ce qui s'est passé, ce soir, je retrouve vraiment l'atmosphère d'antan. Donc je suis vraiment, vraiment content. Je crois que c'est un événement qui va nous aider vraiment à oublier tout ce qui s'est passé ces temps-ci. Donc j'ai vraiment la chance de coïncider avec. Ce rituel qui a été interdit l'année dernière par les forces du mal a repris dans sa plus grande ferveur sous haute surveillance sécuritaire. Des trois célèbres mosquées, Sidi Yahya, Sankore et Djingareber, en passant par les points de lecture Arawania, Kunta jusqu'au Marocain, l'ambiance y était. Je suis très très contente de retrouver mes frères dans la gaieté parce que les gens n'ont plus peur comme avant. L'année passée, on n'a pas pu fêter comme ça. Ils n'ont même pas pu lire le Coran d'ailleurs, donc que Dieu nous montre l'année prochaine. La présence des fidèles, hommes et femmes, à Sankore atteste l'attachement des Tomboxiens à ces valeurs religieuses léguées par les aïeux.